Test de connaissance. Culture générale, France. Dix secondes pour répondre. Quatre possibilités. Une bonne réponse. Quand Paris a-t-elle accueilli les Jeux Olympiques pour la première fois? Qu'est-ce que nous commémorons le 11 novembre? L'armistice de la Première Guerre mondiale. Qui a été à l'origine de l'Arc de Triomphe? Napoléon Ier. Lequel de ces peintres n'est pas français? Magritte. Quelle est la durée du mandat du président de l'Assemblée nationale? 5 ans. Lequel des pays suivants n'est pas une ancienne colonie française? Le Nigeria. Lequel de ces joueurs a remporté le plus grand nombre de fois le tournoi de Roland-Garros? Raphaël Nadal. Lequel de ces fromages est originaire de Normandie? Le camembert. Qui a instauré le Code civil en France? Napoléon Bonaparte. Dans quel texte de loi sont inscrits les droits fondamentaux? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Où se trouve la tombe d'Aliénor d'Aquitaine? L'abbaye royale de Fontevraud. Dans quel arrondissement de Paris se trouve la tour Eiffel? Le 7e arrondissement. Laquelle de ces régions géographiques n'est pas entièrement située en France? L'Ardenne. Où se trouve le siège de l'Assemblée nationale? Le Palais Bourbon. Lequel de ces scientifiques était microbiologiste? Louis Pasteur. À qui est attribuée la phrase « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ?» Charles de Gaulle. En quelle année a eu lieu le massacre de la Saint-Barthélemy? 1572. Lequel de ces peintres ne fait pas partie du mouvement impressionniste? Eugène Delacroix.
Quand est-ce qu'a eu lieu la séparation de l'Église et de l'État? Laquelle de ces mers n'a pas de littoral avec la France? La mer Baltique. Partagez votre note dans les commentaires. Merci de votre participation. Abonnez-vous pour découvrir d'autres de nos vidéos.